semaine seulement de ton mariage. Ouais, je fais que elle pense ici. À une semaine de ton mariage, une semaine seulement. Tu as signé pour régime. Régime monogamie. Hein? Tu es venu en mariage avec ta première fille qui a 7 ans. Une semaine, tu surprends ton mari en train de violer ta fille. Gars. Toi-même, tu le surprends en acte. Gars, c'est le firadan. Un tout, il part. Un tout, il part. Attends, tu fais comment? Il te tue. Tu es comment? Il te tue, tu meurs. Parce que c'est moi, quand je tuais ma fille, là, moi, elle est restée avec qui? C'est compliqué. On a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort. Il t'injecte dans la nuit. Comment ça? Ouais. Massa, les femmes c'est là. Ou alors c'est le machin là même que quand tu dors là. Je te laisse comme s'il y avait rien, mais la nuit là c'est ça que je coupe. Alors, franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchis. Je peux quitter le mariage, pourquoi? Parce qu'il a trouvé plutôt ma nièce qui était plus mieux que moi. Donc ton mari va maintenant épouser plutôt ta nièce. Ah oui. 7 ans, il dit que ta nièce a 7 ans. Petit bébé comme ça, comme votre fille qui est à côté là. Là, moi-même, je peux franchement lui mettre en prison. Ah, Jésus. Moi, je demande ta réaction à l'instant où tu les surprends. Toi, tu, en rentrant du marché, tu ouvres la porte comme ça là. Bing! Tu trouves ton mari sur ta nièce qui a 7 ans. Une semaine de mariage. Franchement, si c'est bon, ce que je peux faire, là, oui. Je vais d'abord frapper sur lui. Avec quoi? Bon, avec n'importe quoi que je peux trouver devant moi. Tu trouves la machette, tu trouves la machette là, tu fais comment? Mais je ramasse. Tu fais quoi avec ça? Je peux lui doser. God, why now? Ça, c'est une question. Un quoi? Ça, c'est une question. Moi, c'est un truc que j'ai déjà vécu, donc. On va lui juger! Passe. Oui, je l'ai déjà vécu et c'était avec ma soeur. Donc, je ne vois pas. Ah, c'était avec ta soeur même. Ta oui. Propre petite soeur ou grande soeur. C'était ma cousine du village. Et seulement dit que tout ce que Dieu fait est bon. Quelle humiliation! Supposons qu'une semaine après votre mariage, vous êtes à table en train de manger. Votre nièce est venue vous rendre visite. Donc votre nièce est venue vous saluer, saluer votre nouvelle femme. Étant à table, votre nièce casse la cuillère. Votre femme gifle donc votre nièce. Elle meurt là sur place, elle rend l'âme là sur place. Devant vous, quelle sera votre réaction? Il y a le couteau sur la table. Vraiment? S'il y a le couteau sur la table, à l'instant, ouais. Ça fait du bien. Comment ça? Puisque peut-être si j'ai pas cherché le couteau à la cuisine, la femme n'a pas eu le marathon. Quoi? La femme n'a pas eu le marathon. Hein? Le couteau là est utilisé sur elle d'abord. Tu fais comment? Je tue la femme. Aïe, aïe, non. Ta femme? Je vais tuer ma femme là. Une semaine que tu viens de signer l'acte avec ta femme, tu tues comment? Ça fait la même semaine qu'elle a tué ma nièce. Et tu vas aller en prison? Pas de problème, mais j'ai déjà tué avant de partir. Hey! Moi je chasse l'épouse, ça. Là, mais à l'instant même d'abord, qu'est-ce que tu fais d'abord avant de la chasser après? Effet surprise. Hein? Je pars d'abord de la maison. Tu pars de la maison? Ouais. Tu l'abandonnes? Ouais. Avec qui? Les deux. Elle va rester gérer son cadavre. C'est ce traître. Azo méritait pandazon. Mon frère, je fais comment? Passe. Tu as raison. Bon, là, je sais pas ce qu'elle peut faire. Il y a le couteau sur la table, hein. Non, je peux rien faire. Bon, c'est l'accident, puisque l'accident toujours à tout moment, ça peut arriver. Je ne peux pas agir, je ne peux rien faire. Ça arrive. Professeur! Non, je ne peux rien faire, puisque ça arrive. C'est l'accident. Parce que tu aimes trop ta femme. Non, mais pas que j'aime trop la femme. Le fait déjà là, et quand le fait déjà là, tu qu'est-ce que ça a servi encore à quoi de demander encore? Le mariage continue. Bon, le mariage peut toujours continuer, avec beaucoup de temps aussi, quoi. D'accord, comment on appelle le cube en Baganté? Le cube, c'est Nguinta Massa. Oui. Ça, l'autre là, je connais pas. Hein? Cube, non. Ok. Cube, comment? Le cube en ta langue. Manji. Le cube n'a pas le nom dans notre patois, ce n'est que le cube. On croit le pain. Man,
cube. N'oubliez pas d'avoir vos gels électriques, protégez-vous les mains, protégez-vous vos yeux, vos narines et vos bouches. Portez-vous bien. Ok, chef Fan, et si c'était vous? Alors, laissez-nous vos points de vue en commentaire. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Abonnez-vous, likez et partagez. À plus pour une nouvelle édition.